Vous n'avez pas assez de temps pour aller à la banque pour vous en procurer une carte de visa. Ne vous inquiétez pas, cher ami, voici la solution Pékin. Donc, vous n'avez qu'à aller sur votre Play Store pour télécharger l'application Pékin. Comme c'est écrit ici en haut sur ma carte virtuelle, là, Pékin, Pékin, comme Pékin, là. Vous la téléchargez sur Play Store et du coup, vous entrez sur votre back office comme le mien ici. Donc, ça, c'est ma carte Visa que j'ai déjà achetée, comme vous pouvez le voir. Voilà montant que j'ai déjà fait des achats, vous pouvez le voir là. PayPal, j'ai même boosté mes publications sur Facebook. Donc, elle est là. Donc, par là, vous achetez, vous téléchargez l'application et je vais vous donner un code passe pour une réduction de 20% sur l'achat de votre carte. Donc, avec mon code passe que je vous laissez ça en commentaire. Vous entrez là pour acheter une carte, on vous fait une réduction de 20%. Donc la carte, vous pouvez l'acheter là, vous cliquez là sur carte là. Et moi j'ai déjà une carte là. Et créer une nouvelle carte virtuelle, si vous voulez la créer, une nouvelle carte là, vous cliquez là comme ça, tout là. Donc voilà tout, elle coûte 1500 francs, bon, si vous êtes en Afrique. Donc voilà là, vous entrez le code de parrainage là. Je vais vous laisser le code de parrainage en commentaire. Donc, vous entrez le code de parrainage là, vous aurez une réduction de 20% là, au lieu de 7500, je crois. Vous allez payer 6000. Non, au lieu de 7500, vous payez 6000 avec le code de réduction que vous envoyez. Donc, c'est très facile. Vous téléchargez votre carte virtuelle. Voilà vos coordonnées. C'est là, les coordonnées sont là si vous voulez faire des achats en ligne, si vous voulez recharger certains comptes, si vous voulez faire. Boostez vos publicités sur Facebook, c'est très pratique. C'est là, c'est propre. Allez sur Play Store, vous téléchargez l'application. En commentaire, vous laissez le code, vous n'aurez qu'à copier et coller lors de votre achat, donc de votre carte virtuelle. C'est très pratique. Donc, lancez-vous. C'est fiable, c'est fiable, c'est fiable. En commentaire, je vous laisse le passcode. Vous le copiez, puis vous allez le coller quand vous voulez acheter une carte. Donc c'est très facile, vous inscrivez juste à votre numéro de téléphone. J'espère que vous avez aimé. Ciao, ciao.